Bonjour les amis, j'ai un truc aussi à vous montrer, un truc que je rencontre souvent parce que je l'utilise par nécessité. Et ce truc-là, bon, il s'agit par exemple d'envoyer quelque chose par Gmail. Vous savez, vous pouvez par exemple aller sur Gmail et puis envoyer n'importe quel message que vous voulez et vous pouvez envoyer des pièces rajoutées, des pièces jointes à votre message. Seulement, Gmail, son petit problème, c'est que au-delà de 25 mégas, il ne peut plus rien envoyer. Donc, c'est vous êtes bloqué et vous êtes obligé de chercher une autre alternative. C'est pas les alternatives qui manquent, mais moi je suis passé par plusieurs plateformes pour pouvoir envoyer des fichiers beaucoup plus lourds. Et le truc que j'utilise maintenant le plus souvent, parce que j'ai par exemple des vidéos à faire avec mon téléphone et pour les transférer sur mon ordinateur, je passe par une plateforme qui s'appelle Gros fichier, au lieu de passer par Gmail parce qu'il est incapable de faire la même chose. Donc, on va chercher ici gros fichier, okay. C'est bien ça. J'envoie et je tombe sur gros fichier. Voilà, gros fichier, envoi gratuit de gros fichier, c'est gratuit. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut envoyer énormément de fichiers très 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 lourds. Ils ne nous demandent pas de leur donner de l'argent, mais bien entendu, comme tout logiciel, il y a une partie réservée à eux gratuit. Mais si on veut faire mieux, on peut avoir un abonnement. Ok. Voilà. Donc, j'ouvre. Et là, gros fichier, il me donne la main. Bon, là, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me demande là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je poursuis. Alors, je vais par exemple sélectionner un fichier ou un dossier. Là, je vais prendre n'importe quel. Prendre un petit fichier comme ça va pas me prendre beaucoup de temps pour vous montrer ça. Alors, je tombe dans mes dossiers et je vois où ça, bon, ça, c'est là où j'ai une toute petite, voilà, c'est là où j'ai une toute petite vidéo qui, combien elle mesure? 41 mégas, tout simplement. Ok. Et je fais ouvrir. Et là, il me demande, voilà, c'est 41,3 mégas, il me demande de démarrer le transfert de vos fichiers. Moi j'ai un petit, donc ça va passer, je pense, très très vite. Voilà. Et le décompte commence en pourcentage. Donc on est à 1%, 2%, etc. Moi je vais écourter ça pour quand on aura arrivé au niveau des 100%, je vais continuer. Bon, voilà, je viens de recommencer l'enregistrement de l'écran et on est à 100%. J'ai dû couper parce que ça prend un peu de temps quand même. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Mais comme vous voyez ici, avant de passer à l'étape suivante, comme vous voyez ici, on va transférer vos fichiers jusqu'à 10 Go. Donc 10 Go, moi je peux vous dire, vous pouvez passer 2 heures de. En grosso modo, vous pouvez passer 2 heures de vidéo. Alors, dans 2 gigas. Bien sûr, il y a des trucs qui sont beaucoup plus lourds, mais c'est une très bonne moyenne. Gratuitement et sans inscription. Vous rendez compte? C'est-à-dire que là, c'est gratuit et vous n'avez même pas ce n'est même pas la peine que vous ajoutiez quoi que ce soit. C'est simple, c'est fiable, c'est rapide, et puis on va savoir plus. On va revenir à ce point-là pour voir est-ce que ça coûte, pour voir le truc de là, pour voir l'abonnement à quoi il ressemble. Voilà, et puis bon,
Ça y est, transfert terminé. Alors, composez votre message. Moi, voilà. Donc, le nom est nécessaire. Bon, voilà. L'email, c'est... Là. Alors, je me rappelle plus. Et puis, il demande un deuxième email. Il demande un deuxième email. Donc, le destinataire. Il en va, non ? Je mets. Voilà. Et je pense que je peux passer là. Bon, là, bon, c'est. Je vais écrire ce mot vidéo. Et puis. Ça y est. C'est chez toi. On va cocher la case pour demander au destinataire, un accusé de réception. Vous pouvez le faire. Bon. Comme vous voulez. Et puis, envoyer. Envoyer, voilà. Donc il me dit que votre message et vos fichiers ont été envoyés gratuitement. Un email de confirmation a été envoyé à votre adresse, voilà. Et puis télécharger les fichiers, voilà, télécharger les fichiers. Bon, alors gros fichier, j'ai téléchargé. Il est le fichier, je télécharge. Attention, ça c'est de la publicité, il ne faut pas appuyer dessus, parce que ça c'est bon, les gens ils travaillent gratuitement, mais il y a quand même des petits pièges. Ah voilà, il me sort quand même les prix. Par exemple, un mois sans pub, 50 gigas par envoi, 5 euros. 10 euros pour deux mois, sans pub, 50 gigas aussi. Deux mois, c'est le double, et 20 pour 6 mois. Donc, les prix, on les a vus ici. Maintenant, il faut que je télécharge quand même mon fichier, sinon on va rester ici. Donc, gros fichier, télécharger gros fichier. Voilà, il est en train d'arriver là, on attend. Très bien, il arrive. Affiché et c'est ça. Je regarde. Bon, faut pas faire très attention à mon agrandissement d'écran parce que là j'étais sur une capture. Je vais rentrer dans la capture pour voir. C'est le fichier que j'ai envoyé, c'est ça, c'est bien ça. Bien entendu, il est là, où est-ce qu'il est ? Water, c'est water, 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 voilà, c'est celui-là. Et puis, bon, je vais le visualiser. Tac, voilà. C'est ça. Bon, il, c'est 60 secondes, il dure 60 secondes. Vous voyez ? Donc là, vous avez compris. Alors, c'est gros fichier, ok. Et voilà, je reviens à mon point de départ, là où j'étais quand j'ai demandé à voir gros fichier. Bien entendu, je pense que vous avez tout compris. Comment envoyer un gros fichier, questions fréquentes, nous contacter, conditions d'utilisation, vous avez vu les prix, c'est 5 euros, 10 euros et 20 euros, les 20 euros pour les 6 mois, par mois, c'est pendant pour 6 mois, voilà. Bon, si vous voyez par exemple un truc comme ça, ça veut dire que mon antivirus, il m'avertit sur des trucs là. Bon, c'est McAfee. Nous avons testé ce site et nous le jugeons sûr. Quand c'est vert,
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, de risque à courir. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Gros fichier, rappelez-vous-en. Et ça va vous servir quand même si vous faites par exemple de la musique, si vous faites des MP3, des MP4, des vidéos, YouTube et tout ça. Si vous voulez envoyer un paquet de documents très très lourds, plus que 25 mégas, vous pouvez télécharger grâce à gros fichier jusqu'à 10 gigas. Ok? Alors, merci et à demain.